Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre : Joseph Dion Butte prépare un coup d'état. Les observateurs les plus cyniques, ceux-là même qui aiment rajouter de l'huile sur le feu, affirment que Dion Butte aurait rencontré plusieurs figures influentes dans l'ombre pour constituer une base solide avant de lancer son mouvement. Mais là encore, rien ne peut être confirmé. Les politiciens camerounais, à l'instar des magiciens, sont passés maîtres dans l'art du tour de passe-passe. Tantôt vous les voyez agir, tantôt ils disparaissent dans une brume d'incertitude. Blanche. Ou bien, et c'est là que l'humour intervient, il veut tout simplement prouver à ses collègues qu'il est capable de mener la danse sans pour autant devoir jouer les seconds rôles. Après tout, qui n'a jamais voulu être le premier danseur après des années passées dans l'ombre? Le mystère reste entier. Ce qui est amusant, c'est que l'idée d'un Dion Butte créant un parti, en secret, ressemble presque à un scénario de film hollywoodien. Imaginez la scène. Butte, assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, murmure à l'un de ses proches conseillers, le moment est venu de tout changer. Et hop, l'intrigue est lancée. Si la création d'un parti politique par Dion Butte reste pour l'instant une rumeur non confirmée, il est indéniable que ce genre de fuite, qu'elle soit volontaire ou non,
met en lumière les tensions qui existent au sein du pouvoir camerounais. Car oui, même dans les plus hautes sphères, tout n'est pas toujours rose. Il existe l'audio qui a fuité pourrait bien être un coup de théâtre destiné à perturber la scène politique camerounaise, ou simplement une fausse piste dans un jeu de manœuvre qui nous dépasse tous. Il est évident que la politique au Cameroun est un terrain fertile pour les intrigues, les ambitions secrètes et les stratégies cachées. Si Dion Nguyen est effectivement en train de poser les bases d'un mouvement politique, cela pourrait marquer un tournant majeur dans la dynamique du pouvoir actuel, remettant en question les équilibres qui existent depuis longtemps au sein du gouvernement. Cependant, il faut rester prudent. Dans un pays où les rumeurs courent aussi vite que le vent, il est toujours sage de prendre du recul et de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Après tout, rien n'a été officiellement confirmé. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est à quel point elle reflète l'état actuel de la politique camerounaise. Un paysage où les ambitions personnelles, les tensions internes et les aspirations pour le changement coexistent, créant un mélange explosif qui peut faire basculer la inattendus. Merci cher auditeur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.